C'est tout le monde, c'est Kukiron et on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Jean-Boule. Salut. Et on se retrouve sur Sea of Thieves, le jeu de l'année, le jeu de 2019 qui va faire des choses incroyables. Donc voilà, c'est la petite vidéo immersion. Et donc bah, c'est parti hein. Recherche du ravitaillement, au rapport, ouverture du journal. Voilà la cinématique. La cinématique. Rare trésor, vaste richesse, vaste héritage des légendes pirates, le One Piece. Bam, 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 bam. C'est ensemble qui équipage fabuleux. Non, c'est ensemble qui équipage fabuleux répondra à l'appel du Grand Bleu. Tantantantant. Oh, sélectionnez un personnage pour vos aventures. Continuez. Oh, t'es moche, t'es moche, t'es moche. Oh, la bonne bière. Tiens, donc tu peux réinitialiser les personnages. Hein. Et t'en as plein de nouveaux. Attends, c'est une femme ça? Je te dirai pas que tu pourras pas changer après. C'est vrai? Je le dis bien. Ah putain. Attends, mais. Ah, lui il me ressemble en vrai. Oh lui c'est le feu lui. Let's go. Allez go. Je vais préférer un peu plus musclé. Non en vrai. Allez c'est parti. Il y a des tatouages et tout, c'est nickel. Les tatouages. Faites voile pour une aventure mémorable au bord de ce grand navire bien équipé. Des aventures vous attendent sur ce navire efficace de taille moyenne. Naviguez sur un petit bateau fragile. Faut que je choisisse là. Prends le petit bateau fragile, mais moi en fait je pouvais te rejoindre qu'après, j'ai une micro, enfin il y a une mise à jour qui s'est fait a priori donc. Je l'ai fait vite fait. Ah bon bah je suis directement appelé Kukiron. Hein. En toutes lettres, ok. Ça va être Kukiron ton pseudo Xbox. Ouais. J'ai dû le créer hier soir. T'es sûr qu'on prend le petit bateau là? Ouais, prends le petit bateau, oui. Et on peut, ah, on peut oui, changer oui. Après oui, on peut changer à chaque fois qu'on se connecte, on change. Ah ok. Donc je voulais dire que équipage fermé, il y a quelqu'un qui peut composer votre équipage. Oui. Tiens, je peux te choisir. En fait, équipage fermé, c'est comment dire ça? Pour dire que l'équipage, en gros, dans ton bateau, il y aura seulement les joueurs que tu connais. Et donc, c'est pas alors bien, qu'équipage ça ouvert, il y aura les joueurs que tu connais et des joueurs random qui peuvent se joindre à toi. C'est mieux. Comme tu veux. T'as quoi toi? Nous avec Cam, j'ai généralement, on fait équipage fermé parce qu'en fait, avec les gens random, souvent ils lâchent l'ancre n'importe quand et c'est un peu chiant. Oui, c'est pour ça des fois, il y en a des gentils, ça, mais. C'est à ça que je pense. Oui, mais voilà. Donc, on fait quoi? Et bah, nous, on va faire. On fait équipage ouvert. Équipage fermé. Fermé? Ok, oui. C'est bon. Mais pour en fait, sauf si t'attends genre 5 minutes, parce que je suis à la fin de la mise à jour. Je suis à 820 MO sur 900 MO. J'ai déjà fait équipage fermé. Ok, bah go. Après, okay, l'Europe 1, le Kraken, il y a le Mégalodon. Ah oui, c'est ça. Il y a le Mégalodon. Attends, ça te ressemble? Oui, il y a des mégalodons. Ça te ressemble? Oui. Il est métis, il a les cheveux noirs, il ressemble à un arabe, voilà. Ah putain. Il a des tatouages stylés, c'est moi. Attends, mais Sacha, à boire. Je suis en train de prendre des bananes, là. Ah, voilà. Va dans ton menu, d'abord. T'es où? Tu vas dans tes paramètres et t'enlèves ton truc. Et toi, ça te ressemble? Ça te ressemble, peut-être, à part la barbe. Tu vas dans ton menu, maintenant. D'accord. Pas grave. Tiens, je vais t'apprendre à prendre une bière. Prends une shop. Et on peut pas se voir. Non, c'est la touche A. Je peux pas me voir moi-même. Non. Bah si tu fais une émote, oh. C'est W. Je peux pas tirer dessus. Oh. Non, ça me va rien faire, on est ensemble. Et oh elle, mais oh. Elle, je peux l'ajouter la grosse là. Ah non, mais si, on aime bien en plus. Tu touches pas là, la taverne. Mais oh. Non, je teste. Ok, comment on prend une choupe? T'as vu, t'as une touche qui va ouvrir un cercle avec tous tes items. Ouais, c'est le 1 là. Oh merde. Et bah appuie sur ça. Merde, c'est pas ça du tout. Ok. Ah, c'est bon. Ouais. T'appuies sur ça. Et après, je prends et quoi? Et là, t'as la boussole, etc. Ouais. T'appuies sur F. Plus. Et là, t'as la shop à droite. Ah. Et là, hop et. Merde. Comment je la prends? Bah, tu ah. T'appuies sur. Ah, F, tu passes ta souris dessus et ça la prend tout seul. T'as pas besoin de cliquer en fait. Ah ouais?
Oui. Tu fais juste glisser, hop hop. Bah je suis dessus là. Ah voilà. Voilà. Non. Ok. C'est bon. Oh merde. Non, c'est pas de ta chope ça. C'est bon. Voilà. Clic droite. À la tienne. Ah merde, excuse. Ouais. Ah. Oh mais c'est trop bien. Ah. Ah. Jusqu'au bout. Oui. Ah la tienne, Mathieu. C'est là, était bonne. Le rototo. Oh, on va au bateau maintenant. Ok, c'est bon. Premier arrivé. C'est parti. Attends, j'ai pas bu assez moi. Ah bah bois plus, bois plus. Attends, ça c'est mon satangle là. Oh putain. Attends, je vais chercher à reboire. La maison. Allez. Oh. Oh putain. Moussaillon. Je vais tomber dans l'eau. Ah. Oh. Il est où le bateau? Oh là. Jette tout, Moussaillon. Je suis fou de bourré. Waouh. Tout se déforme. Je vois pas, Moussaillon. Mais t'es où? Bah je vous cherche. Moussaillon. Waouh. Aïe. Ah, par ici. Hop et... Ouais. Non, F. Voilà. Moi, mes doigts, ils sont sur la ZER tout le temps. Merde. Ah, faut que je... Ah, ça descend pas tout seul. Ça descend plus vite comme ça en plus. Hop. Hop, les... Oh, putain. T'as par ici. Je suis tellement intercepté comment que ça se passe. Vas-y. Dans tous les tonneaux comme ça, t'as des ressources. D'accord. Voilà. Ouais. Ok. Les bananes, ça mange. Les canons, c'est pour tirer. Et tu vois les trucs, les canons spéciaux là. Ouais. Et bah, c'est des canons spéciaux. Après. D'accord. Bon, tout ça, on s'en fout. Ils vendent des trucs pour se décorer, tu verras. Ce qui est important, ce qui rapporte de l'or, tu vois. Ouais. C'est lui là. Oh. Je l'ai vu dans une vidéo. Du coup, il est trop connu. Tu lui parles. Tu lui parles là, lui, tu fais. Tu lui parles. Voir ce qu'il vend. Et là, tu peux acheter des missions auprès de lui. J'ai une carte. Mais vu que tu as de la chance, j'en ai déjà acheté. Salut, moi. Vois ce que le... Qu'est-ce qu'on lui dit? Le ah, je lui dis voir ce qu'il vend. Tu veux voir ce qu'il vend. C'est ça qui est intéressant. Ok. Attends, R, parlez. Voir ce que vend le collectionneur d'or. Alors. Le marché. Alors ça, je peux pas y accéder encore. La pelle, la boussole. C'est quoi ça? Alors en gros, attends, je t'explique. J'ai t'as les missions en bas qui valent 0 or. Ouais. Une fois que tu les auras faites, tu vas gagner des niveaux. Et avec ces niveaux, tu pourras acheter un titre dans la distinction en haut là. Mmh. Et avec ce titre, tu pourras avoir des quêtes de plus haut niveau, etc, etc, etc. Lourd. Plus tes quêtes sont au niveau. Et plus tu gagnes de l'or. Mais ça, c'est que une des missions. Après, il y a l'autre principe. En gros, il y a 4 associations. Ouais. Non, il y en a 3. Il y a celle-là. Il y a ceux-là. Eux, il faut ramener des poules et tout ça. Trop chiant. En plus, ils ont tête de plouc. Mais ils payent bien. Ils payent très bien. Ah, ça, c'est. Et après, il y a la vaudou. Je l'ai raté. Elle est là. Eux, en gros, on va péter la. Il est où? C'est celui-là. Et eux, on va péter la tronche des squelettes. Ouais, et on leur ramène des crânes maudits. Ouais, fait grave flipper. Hein. Et si tu savais, si seulement. Moussaillon, notre bateau il est juste là. C'est le gros là-bas là? Ah, c'est ça. Ah, ça va hein. Il y a une mission pour toi par contre. Ah. De grandes responsabilités. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu vois sur cette mer là? Une barque. Tu la prends et tu la mets au bateau. Quoi? Faut que je fasse ça? Ouais, ouais. Attends, ça va nous être utile, c'est toujours utile. Attends, j'ai une carte là, ça sert à quoi? Pas grave ça. Ok, c'est parti. Ouais, je vais mettre des stocks dans le bateau. Je me fais pas me faire baiser là, parce que je vais me faire chicoter. Pas des locaires. Mais non. Non, ça va ici. Pas te faire chicoter. Je peux pas rentrer dans la mer, vas-y. Comment je remonte? Ce mec il va se noyer. Oh sérieux. Nice, putain j'ouvre ma carte sans arrêt par contre. Utiliser les rames. Voilà, ça fonctionne comme dans la vraie vie. Tu
Tu rames à droite pour à droite, à gauche ou à gauche, tu rames les deux en même temps. Oui, ah, tu rames les deux en même temps pour aller tout droit. Salut. Ah, ok, ok, ok. Faut que je reste appuyé. Ah, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Merde, non. Eh, Moussaillon, faites vite, y'a des joueurs. Y'a des joueurs en nord-ouest, venez vite ici. Attends, merde, qu'est-ce que je fous. Ok, J'utilise pas les rames là. Elles sont où les rames? Y'a plus de rames? Mais si, y'a des rames, là t'es assis. T'attends que quelqu'un te pousse là, t'es pas sur la bonne place. Ah oui, merde. Ok. Désolé, capitaine, hein, parce que là. J'ai un problème de. T'es pas capitaine, je suis juste tuteur. Tu rencontreras le vrai capitaine plus tard. Attends, mais t'es où le bateau là? Ah putain, t'es là-bas. Là, t'es bien. T'es bien lancé. Je suis pas bien lancé du tout là. Ah non, tu vas dans le mauvais sens, j'ai rien dit. T'es pas bien. Et je peux pas rester appuyé sur les deux? Non, il faut que tu appuies sur les deux en même temps simultanément. Ah. Pour avancer tout droit. Voilà, là vous êtes bien. Je tourne en rond. 2 hours later. Allez, je t'encourage un petit peu. Merde. Ah. En ce moment, Cam, il est pas là pour l'immersion. Ah non, c'est en Cam, il t'aurait abandonné sur une île. Ok, c'est bon. Et c'est pour ça qu'on va faire en sorte qu'il t'abandonne pas sur une île avant de venir jouer. Tout droit maintenant. Ah t'es, ok. Je me concentre. Ça merde. Passe. C'est bon. Allez hop. Wouh. Niveau 1, passé. Ouais, on va mettre un voyage comme ça. Ça... Oh, je suis fatigué. Quand t'achètes les voyages, tu les poses ici. Oh. C'était une bonne vidéo, salut. Ok. Quand tu poses un... quand t'as un voyage, tu le poses ici. Mais je vais poser un des miens. Après, quand t'es ensemble, tu fais pour voter pour ce voyage. Tu cliques dessus. Et là, magie. Waouh. Normalement, si t'appuies sur la touche V, tu vas avoir accès à toutes les. Enfin, tu vas avoir accès à tous les documents que t'as. Jamboule. Chapitre 1. Ah, tu sais à quoi ça sert ça? Non. À parler pour que t'écoutes. Donc. Allô. Ensuite. Du bateau. Il faut appuyer sur la touche pour parler. Non. Ah merde. Quelle touche? Bah, ça dépend de ce que t'as mise. Allô. Allô. Ça marche pas là? Pas grave, au pire c'est pas le plus important. Oui. Du coup, si t'appuies sur la touche V, t'as accès à un nouveau cercle avec des bulles. Et là t'as des quêtes. Bah, c'est là que tu vas avoir tous tes documents. Moi V ça sort mon truc comme ça. Ok, bah faut que tu trouves la touche que c'est. Ok. Y'a une touche qui donne accès normalement à tout. Alors, ça. E, j'ai un E, ça sort des parchemins. Et là voilà, tu fais E. Ouais. Et tu baisses la souris vers le haut. Ok. Et là, t'as accès à ton parchemin, celui-là. Wow. On va où? Avec ta tête de perdu. Toi aussi, t'as la tête de mort au milieu, là? Je comprends rien. Ta tête de mort. Montre-moi ton truc. Montre-moi ton... C'est pas le bon côté de la carte, si? Montre-moi ta carte. Attends. C'est quoi ta carte, là? Alors, non, c'est cette carte-là qu'il faut avoir, normalement. Ah, merde. Ah, bah... ah, voilà, c'est mieux, ça. Ah oui. Parce que j'ai pris celle que le vendeur il m'a donné. Ah non, on s'en fout de celle du vendeur. Sur Cook, solo, voyageur, soyez prudent, en trésor, votre arrivée attend. Ok, on va où du coup? Bah je sais pas, y'a pas de... c'est pas une carte ça. Ouais, c'est une insigne, regardez. Tiens, clique-moi là-dessus. Ok. Attends. Désolé, quand je serai habitué aux touches... Ah. Ok, zoom un petit peu. Ok. Parce qu'on voit pas les noms. Okay, voilà, c'est... maintenant on a. Bah, pas trop non plus. Maintenant on a le nom. Faut trouver Croc Solo. Tu vois ce que je fais? Oui. Faut trouver Croc Solo maintenant. Croc Solo. Ah, c'est ça qu'il avait écrit. Tu vas être près de nous. Ah, cherche oui. Près de notre bateau. Ils sont pas bêtes, généralement. Ils nous le mettent à côté. Là. Croc Solo. Ah, non, tu cliques dessus. Yes. Comme ça, ça fait un marqueur. Recule pour voir où est-ce qu'on veut aller. Recule. Ok. Faut qu'on aille par là-bas. Donc on va dans quel cap là? On va dans le cap. Nord-ouest. Ok. Comment on quitte la... Allez, on va faire ce premier démarrage. Je te rappuie sur E.
Tirez! Ah, y'a pas de boulet de canon. Eh oui, mais tu peux en charger. T'es sûr que c'est Cap Nord-Ouest? Ouais. Je suis sûr, fais-moi confiance. Voilà. Bon, on fait une panique. Lève les Merci. Bras, oui. Là. Oh, t'es tellement beau, Matt. Oh, et toi aussi, oh là là, oh là là. Allez, go, on a plus que ça à faire. On a plus que ça. Mais s'il y a d'autres gens qui prennent notre bateau? Ouais, ben, on a le seum. Qu'est-ce que je te dise? On les bute tous, de toute façon. Comment on rabat la voile? Comment on rabat la voile? Ici, là. Là. Hop, tu prends ça et tu montes. Tiens, vas-y, ça, si tu veux. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est pour tourner la voile. Merde. C'est ça, là? Non, ça, c'est pour l'encre. Ça. T'es où? Il y en a un de chaque côté. Angle toujours de pas la voile, ouais, longueur, c'est bon. Longueur. C'est ça. C'est ça. Et après, je fais quoi? Fais la flèche plus haut. Waouh. Tac. C'est trop bien. Voilà. Allons-y. Wouh. Sortez-moi votre quête. Pour me dire ce que vous y voyez. Alors, dans ma quête, je vois. Alors, trouvez la pierre de soleil dans la baie et joignez la danse élémentaire. Comptez 7 pas à l'est et retournez la terre. Alors, faut qu'on trouve une baie déjà. Une baie, bah on est sur la baie là, non? Ça ressemble pas trop. Ouais. Une baie, c'est. Une plage? Une baie, c'est plus quand il y a eu. Quand il y a un truc. Quand c'est un peu incurvé, tu vois. Bah, je pense. Jumanji. Attention, serpent. Ça va être te saouler. Serpent, c'est bon, j'ai buté. Ok, attends, faut que je te montre un truc. Vas-y. Ça, c'est ton pire ennemi. De quoi? Ça, là. Le tonneau, là? Ouais. Rouge, là? Non, fais pas ça. Bon, au pire, tu vas je te montre, recule-toi. Attends, tu tires de là? Ouah. Et ça, il faut y en avoir plusieurs au même endroit. Et il y a des squelettes qui peuvent porter ça et te courir dessus. D'ailleurs, il y a des squelettes qui vont se réveiller quand on va trouver. Ok. J'ai l'impression que mon jeu est plus fluide depuis que j'ai mis à jour mes drivers. Merci, c'est bizarre. Alors, maintenant, il faut trouver la pierre du soleil. Trouver la pierre du soleil dans la baie. Attends, on est à la baie, là? On est, bah, je pense que ça ressemble à une baie, ça. Ok, il faut Moi, je vais parler avec mon ami. Trouve la pierre. Ok, trouve la pierre. C'est bon, je sors. Regarde, je suis là. Monsieur, vous allez te chercher dans la grotte? Je sais pas. Non, vous allez chercher dans la baie. Ok. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, venez à ma place là. Venez ici. Oui. Ah, attendez, vous dites-moi ce que vous voyez. Je vois une pierre avec un soleil. Putain. Bon, ensuite. Ensuite. Cherchez 7 pas à l'est. Dans la baie, joignez la danse. Comptez 7 pas à l'est et retournez la terre. Comment tu peux trouver l'est? Je prends ma boussole. Ah. Et pour marcher 7 pas, tu fais clic droit sur ta. Enfin, clic gauche sur ta boussole. Comme ça, tu marches des petits pas. Petit pas. 1. 2. Non. Faut que tu marches. Regarde. Tu prends ta boussole, ouais. Et tu cliques gauche, enfin tu restes clic gauche dessus. Comme ça? Vas-y, elle marche maintenant. Merde, c'est clic droit ça. Ah, voilà. Ok, d'accord. Et ça doit se faire pas tout seul. Je m'arrête quand? Bah, au nombre de pas que c'est marqué sur 7. Attends. Mais je m'arrête quand? Ah. Ah bah, je continue. 2. 3. 1. 4. 2. 5. 6. Voilà. On met ça dans le canon et on le jette sur. Oh putain! Ne bouge pas. Ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'il est en train de penser un serpent. Là. Ah, c'est bon. Ouais. Ah, il a eu peur. Fallait regarder dans les yeux.
tout au fond de la cale. On va le mettre juste à côté de la dynamite là. Oh putain. Comment on le lâche? X, je crois. Voilà. Il faut qu'on aille. Attendez, regardez, faut qu'on aille là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment tu... Faut qu'on aille où? Là, là, regarde-moi. Là. Oh putain, mais c'est trop stylé. On peut se montrer tout et tout. Ah ouais, tu veux que je te montre autre chose? C'est comment on va là? Attends, mais c'est quelle île ça? Attendez, on a un problème. Mais bon, y'a plus de problème. Alors, je te montre cette technique. Bon, par contre, ah t'es en bas, j'arrive. Ouais, ouais, alors, viens voir. Mais je comprends pas. Ok. Donc faut aller en gros, il faut qu'on trouve l'île. Et à partir de la forme que tu m'as montré. Ouais. C'est toi qui bouge là? Ah oui. C'est pas ça? Ah, ça a l'air, si, c'est ça. C'est là. Et donc, oh, on est pas loin. Oh, attends, j'entends des bouches cheloues là. J'entends des bouches cheloues. Et après, on ira à Poland d'ailleurs. Oh, y'a. Pourquoi y'a un squelette avec un. Mais fais le péter! Voilà! T'as le bateau, il a pris un petit coup de vent. J'ai plus de balles. Ah, je vais te montrer ça aussi. Regarde, quand t'as pas de balles. Putain, j'ai tout fait péter! Quand t'as pas de balles, tu recharges là. Là-dedans là? Oh. Ouais, tu cliques dessus. Et après, si tu veux changer d'arme, t'as là. T'as l'arsenal. Oh, y'a un bazooka! C'est un tromblon, ce boulot là. Ouais, c'était l'ancêtre du bazooka quoi. Y'a un sniper? Ouais, mais bon, pour viser avec, t'as pas trop la mirette, hein. Ah, pourquoi? Il est brisé. Oui. Et faut savoir que quand tu tires, tout le monde nous entend aussi. Enfin, tout le monde nous entend. C'est ça réalisé, s'entend. C'est réalisé, non? C'est pareil que quand on parle, d'ailleurs, sur le jeu. Ça, et c'est à quelle distance, environ? Là où on doit aller? Non. Ah non, le sniper. Mm-hmm. Bah, je sais pas, je dirais... 30... Ah, 50 mètres. Okay. Alors, moustillon croissant. Nous sommes. Là. Ok, ça c'est là. Ouais, voilà, maintenant, okay. Hop, c'est parti, on recherche. Ouais. Si tu trouves des tonneaux, ramène les fournitures. Comme ça, ça sera fait. Ok. Comme ça, en fait, en cas d'abordage, etc., ben, on coule pas, tu vois. D'accord. Parce que le pire chose qui puisse arriver, ben, c'est de plus avoir de planche. Et de plus avoir de canon pour en tirer dessus aussi. Oh, c'est un cochon. J'ai trouvé un truc. Ouais, des cochons. J'ai entendu un. Ils sont mignons en plus. Oh, il est là! Mais c'est des cochons ninja! Putain, mais ils vont trop vite! Oh, ok, faites vite! Il y a un navire pirate qui attaque un navire. Une sloop pas loin de nous. D'ailleurs, on entend les tirs au loin. Oui. Attends, je vais dégorger un cochon. T'as trouvé ce qu'il fallait trouver? Non, c'est tant que c'est toi qui trouve. Pourquoi? Bah, est-ce que... Moi, je sais déjà comment on fait. Un merde. Baril de poudre. Oh yes! Mec, on va être riche, c'est excellent. On a oh, des c'est des Kiwi! Putain, tu m'as fait c'est moi, c'est moi. Attends, mais le cochon, il est où? On s'en fout, ce cochon! Il est là! Oh. Ok, je vais faire cette mission. Non, attends, je vais le trouver, je vais le trouver. Alors... Alors. 3 hours later. Bon, oh, allez, j'ai pas envie qu'on se fasse saboter notre bateau. C'est où? Quoi? C'est du ta first. Mais quoi? Ah! Pourquoi je me fais attaquer? Parce qu'il y a des squelettes. Ils sont pas les mecs qui ont été à leur squelette, toujours. On de connard! Putain, y'en a plein! Mais tu sais, je commence à perdre mes PV. Ils doivent pas être loin de nous. Vite à bord. Vide les caisses là s'il y a des trucs devant. C'est juste à cliquer sur les ressources. Parce que là en fait on peut. J'étais en mode oui c'est cool. Oui tu cliques sur les tonneaux et puis après tu vas. Ça te donne accès à ce qu'il y a dedans. Bah c'est la touche pour. Bon, attends c'est quoi ce bruit? C'est parce qu'ils regardent en face de nous. Tu vois ça c'est le navire de pirate de tout à l'heure. Des squelettes? Y'a. En fait c'est pas ça qui posera un problème. Y'a des tonneaux dans l'eau à gauche. Ça c'est un navire qui a coulé. Mais ce qui pose problème c'est le navire. C'est le navire ali. Enfin c'est le navire pirate qu'il y a dans l'île où on doit livrer nos trucs. Ah ouais ça me fait la merde. Faut aller à droite non? Fa. Si on va à gauche c'est la merde. Si on va à droite de l'île, ouais, c'est
Faut savoir où est-ce qu'ils sont amarrés, les autres pirates. C'est bon, ils sont pas amarrés, je crois. Mais c'est des vrais humains. Oui. Oh merde. Ou alors il est vraiment teubé. Ah, il essaie de nous mettre l'aggro sur nous. Ouais. Prêt à se battre. Attends, mais je suis dans l'eau là. Je suis en train de couler avec le coffre. Il faut les couper. Voilà. Et c'est lui, c'est peut-être pas épopé encore lui. C'est possible. Attention, vous met le coffre. Ah, c'est là. J'ai vendu le coffre. J'arrive. Ok, je vais vendre. Oh. Bâtard, dégage. Waouh. Je suis sur leur bateau. Non. Tu meurs. J'ai été anéanti. Il y a nos deux bateaux qui coulent en même temps. What? C'est quoi ce bateau fantôme là? Matt? Je suis sur le Black Pearl. C'est normal. Bah moi aussi. Je viens de tuer un joueur mais il atterrit avec nous. Bah tu te vois pas? Je suis sur le Black Pearl. Parlez aux passeurs. Ok. Je pense qu'il faut exprès de mettre les joueurs qui s'agressent dans le même bateau. Barbossa. De toute façon, on avait plus de bateau, on avait déjà rapporté notre or, tout est bon. Nice. Why do you attack our ship? I don't like your... Ah, il se note viril sympa, hein. Ok. Bon, en vrai, moi ça me va pour une vidéo immersion. On aura même vu le Black Pearl là quand on meurt. Plein de bisous, et c'était Jean Boule et moi. Haha.